cosplay, c'est quoi? Donc c'est un mot qui est composé du terme costume et du terme playing. L'idée, c'est que les personnes qui pratiquent du cosplay vont se costumer en personnages de dessin animé, en personnages de manga, en personnages de jeux vidéo, plus généralement en personnages de tout ce qui est issu de la culture visuelle asiatique, et vont interpréter sur scène ce personnage au cours d'une prestation de 1 à 3 minutes. Le karaoké aussi, c'est typiquement japonais, et on va donc avoir la possibilité de chanter, d'interpréter des génériques de dessins animés. Ça peut être Albator, Goldorak pour les trentenaires, quadragénaires, et ça peut être des séries plus récentes en direct du Japon, type Macross Frontier, Gundam Seed, Soul Eater, donc les génériques japonais que le public pourra interpréter à cette occasion-là. Donc nous espérons maintenant que, suite aux jalons qui ont déjà été posés avec l'invitation d'une personnalité japonaise, avec une journée Mangatane festive qui est reconduite, dont c'est la 2e année, et donc poursuivre ce sillon avec une programmation qui est à la fois exigeante et puis d'un autre côté un aspect festif, convivial, parce que la science-fiction, c'est pas quelque chose de réservé aux spécialistes, c'est vraiment quelque chose qui fait réfléchir sur la société, et donc c'est ce qu'on cherche à développer également, notamment par l'axe Mangatane.